Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième étape de la Coupe du Monde, deuxième étape de la saison, on va aller du côté de la Chine et il va faire très froid. Est-ce que c'est parce que hier on a eu une clim qui a été posée par Bakken, 3 épreuves, 3 victoires, on a déjà 60 points de retard et plus que 15 points d'avance sur Niklas Hartweg. Aujourd'hui c'est l'individuel et c'est un des moyens les plus forts pour rattraper notre retard sur Bakken, puisqu'on peut terminer premier. S'il lui fait une erreur, il peut terminer deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on ne sait pas. Il peut complètement se rater, même si on n'y compte pas trop. En tout cas, pour l'instant, il n'a fait aucune erreur au tir sur, 10 passages sur le pas de tir. Donc, on l'espère aujourd'hui. Paging individuel, c'est parti. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider, ça se passe directement avec les pouces bleus pour aider Gisèle au fartage et pour aider la chaîne. Et si tu n'es pas abonné, je t'encourage à le faire. Toujours un plaisir de vous lire tous les matins aussi sur les commentaires. Moins 16, moins 20. C'est parti. Paging, nous voilà. On va partir dans les premiers quand même. Et on a le choix. Est-ce qu'on a le choix déjà en termes de ski? Je crois qu'on n'a pas trop le choix quand c'est ça. Hamilton, non. Nodger, non. Rosengel non plus, en fait. Ah ouais, donc t'as pas le choix, t'es obligé de prendre des fasters. T'es obligé de prendre des fasters, mais lesquels? Parce que là, s'il fait moins 20... Ouais, si, on est obligé de prendre cela. Le problème, c'est que s'il fait moins 16, on a plus que 2%. Il fait moins 20. Bon, ça va pour nous, on va commencer avec un bon fartage. Nickel, merci pour les pouces bleus, les gars. Le travail a été fait, c'est parti! C'est parti! L'épreuve, donc, individuelle, ce sera 5, je dis bien... Tir et 4 passages. Non, ça fait 5 tirs. Oui. À chaque fois sur les 4 passages, ça fait 20 cibles. 30 secondes de pénalité par tir raté. On espère que Bakken en prenne un maximum. Même si, voilà, on n'espère pas. Mais par contre, nous, il faudra en faire aucune. Le fartage est parfait de côté de Gisèle. Et on est derrière Stalder. Mais nous, c'est Hartweg et Bakken qu'on va devoir surveiller aujourd'hui. Et on est reparti. Alors, il ne faudra pas trop pousser non plus. Hein. On est sur... L'individuel, il y a 5 tours. 5 tours, c'est long. Il faut gérer tranquillement toute son endurance. Mais on est bien, en tout cas, au niveau du fartage. Je me sens bien au niveau des skis. Et la Chine est une piste très exigeante. Hein. Elle va très vite dans la montée, dans la descente. Et je crois qu'il y a cette grande montée juste avant le pas de tir. Ouais, c'est bien cette piste-là, ouais, avec le grande remontée-là. Mais pour l'instant, on a un magnifique boost. Hop là, on va se mettre à l'intérieur. On va reprendre... Ah vraiment, je force hein, sur ce premier tour, on aura beaucoup poussé sur, sur les bâtons et on va s'y mettre. Ouais, 189 de pulsation, c'est peut-être un petit peu élevé. Ça ne se dit pas, mais un petit peu élevé. On va voir, ouais, ça va être pas mal élevé, mais on va prendre notre temps sur le pas de tir, c'est pas grave. On va attendre que ça retombe tout ça pour ne pas faire d'erreur au niveau du tir couché. C'est parti. Voilà, on ne veut pas prendre les 30 secondes, on a été lent, oui, mais en même temps, il faut le dire, on n'est pas là pour prendre les pénalités de temps, on est là pour assurer les cibles, et si on assure les cibles, au pire, on fera deuxième. On a 5 secondes 6 d'avance sur Stalder, et Schafchou qui a fait une erreur. On va bien sûr regarder avec beaucoup d'attention le passage de Bakken et de Hartweg dès qu'ils s'en verront. Allez, on s'envoie. On va utiliser un poilas de sprint, pas énorme, mais un tout petit peu. Et on va se mettre en position tout chou. S'il fait moins 20, toujours, on est très bien au niveau du fartage. Allez, on se laisse glisser jusqu'au bout, on repart. Et Bakken vient de faire un sans faute. Aïe. Bakken qui vient de faire un sans faute ici. Sur le pas de tir, il est, il est exceptionnel. Faut le dire, il est exceptionnel. Et on n'aura pas son temps, on ne saura pas. Mais probablement qu'il a tiré plus vite que nous. Que sur les skis, il va vite. Donc il est probablement premier. Mais voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il a fait aucune erreur qu'il n'en fera pas. Il a encore 3 passages sur le pas de tir, tout comme nous. Et on va y arriver justement sur le pas de tir ici avec un deuxième passage. Et je consomme beaucoup d'énergie pour le moment quand même pour essayer d'envoyer. Et ça, c'est peut-être un problème. On le verra. Stalder n'a pas fait d'erreur. La grille non plus. À nous de nous envoyer. Allez, on se concentre. On va encore un petit peu de pulsation élevée, 175, 176, un petit peu. Il faudrait que je sois un petit peu tombé, un petit peu plus, légèrement pas énorme. On a été bon, j'aurais pu tirer plus vite, je pense, l'avant-dernière cible. Mais encore une fois, pas d'erreur, c'est l'essentiel. Et on reprend.
On reprend et on attendra bien sûr avec grande impatience le temps de Monsieur Sieverbacken qui va arriver à mon avis sur le pâtissier. On a 10 secondes d'avance sur Stalder. Ce n'est pas un temps de référence Stalder, mais c'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'on est bien dans notre rythme. Andersen qui est sur le pâtissier. On attend un autre Norvégien. Par contre, ouais, je suis peut-être en train de trop pousser là sur... Ouais, je suis peut-être en train de trop d'envoyer encore au niveau du ski. Parce que là, on le voit, on est fatigué et on est qu'à la mi-course. Hein. Allez, Bakken qui arrive sur le pâtissier. Bakken qui arrive sur le pâtir, je me concentre sur ma course. Bakken, bah mais c'est fou! Il a pour l'instant fait aucune erreur sur 12 tirs depuis le début de la saison. Oh là 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 là! Aucune erreur sur 12 passages. Aucune erreur sur 70 cibles. Sur 60 cibles. Parce que 5 x 12, ça fait 60. Allez, 13 secondes d'avance. On est à la mi-course. Le fartage est exceptionnel. Ça, par contre, on ne pourra pas s'en plaindre. Et on continue, on continue. Allez, allez, allez. 186 de pulse et on va s'arrêter. Voilà, on va arrêter de relancer ici. Si on sait que c'est pas mal. 187. Il faudrait que Bakken se salive. Une erreur, deux erreurs. Ce serait tellement bien. On va se positionner. On va se positionner. Et on se couche. Oui, monsieur! Pas d'erreur au troisième tir! Et on repart, on a été assez rapide. Hein. On a été assez rapide. Allez, on va entamer l'avant-dernier tour. Le fartage est toujours nickel. Allez, allez, hop là. On y va. 13 secondes 7 d'avance. Et maintenant, je vais appuyer uniquement sur la montée. Ah ouais, là, il faut y aller. Hein. Allez, allez, allez. Ah, c'est dur, ça commence à être dur. On va commencer à piocher un peu. 14 secondes 5 sur Stalder. Bakken, pas d'erreur, mais c'est fou! Mais c'est fou! Bakken, 13 passages au tir et aucune erreur encore. Oh là 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 là! C'est incroyable! Incroyable à quel point il est régulier. Là, je vois pas en l'état actuel des choses comment on peut gagner le gros globe. Mais il va faire 2 erreurs au dernier tir. Il va faire 2 erreurs au dernier tir, je le sais déjà. Je le sais déjà, il va faire 2 erreurs au dernier tir. Allez, 16 secondes 5, toujours sur Stalder. Allez, on a le fartage qui est au top du top. Hartweg aussi qui est là. Hartweg qui est sur le pas de tir. Allez, on reprend. Faire attention parce qu'il y a pas mal de gens avant nous. Donc là, il faut combler un petit peu. Voilà, faut redescendre le passage du BPM. Puisqu'on va être sur un pas de tir, à mon avis, assez proche, même très très proche. Attention! Oh, ça va beaucoup bouger! Ça va beaucoup bouger pour nous! Ça, c'est pas bon du tout! Aïe 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 aïe! Ouais, bah, j'ai tiré quand même et ça passe! Pour un sans faute! Et on va relancer! Et bien sûr, Bakken va arriver à un moment donné, c'est sûr! Il va y être sur ce pas de tir, alors que nous, eh bien, on va relancer. On est dans le dernier tour. Allez, allez, 17 secondes 6. 17 secondes 6. Et on doit maintenant envoyer. Hein. Là, on doit envoyer. On doit sprinter. Et Bakken est sur le pas de tir. Bakken est sur le pas de tir. Allez, 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 allez. Hop là, hop là, hop là. Bakken, 1 sur 1. 2 sur 2. 3 sur 3. Et 5 sur 5. Pas d'erreur de Bakken qui va encore aller chercher une première place. Je te jure que Sivert, le jour où je te bats, ça va être... je vais faire la Zumba. Ah, je vais danser. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, le jour où on arrivera à le battre, ce sera exceptionnel. Mais c'est pas encore venu. C'est pas encore aujourd'hui. Ouais, on a tiré trop lentement au niveau du tir, alors que lui, il envoie des bastos à la vitesse de la lumière. Je suis quand même en train d'essayer de pousser au maximum dans ce dernier tour pour récupérer un peu de temps. Hartweg, j'ai pas vu. Allez, 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 on y va. On y va. Hop là, on reprend. Et il y a cette montée, il y a cette montée, qu'elle est terrible. Il y a cette montée, qu'elle est terrible. Allez, allez, allez. Allez, 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 hop là. Et là, on va utiliser le sprint. Ah, j'aurais pu sprinter avant. J'aurais pu sprinter avant, mais c'est quand même pas mal. Non, ça va, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, c'est parti. 23 secondes d'avance. Et on va skip tout résult, on va skip tout résult. De toute façon, là, pour l'instant, on peut rien faire de plus. C'est Bakken qui termine avec 7 secondes 8 d'avance. Ça veut dire que même
Même Hartwig peut nous passer devant. Même Hartwig peut nous passer devant. Ça va, il est derrière nous. Hartwig est derrière nous. 7 secondes 8 de retard sur Sivertbakken. En ski time, on a pris 2 secondes. En shooting time, on a perdu 7 secondes 5. 6 secondes 1, 6 secondes 3, 6 secondes 1. Ouais. Non, mais il est intouchable. Hein. S'il faut, en fait, faudrait tirer à 6 secondes tout le temps, même en. Là, comme ça, c'est terrible. Plus 10, plus 6 avec de la neige sur le sprint. Allez! Il faut qu'il, là, s'il fait une erreur, il peut tellement tomber. Il peut tellement tomber. Plus 6, plus 10 avec de la neige. Non. Oui. Plus 6, plus 10 avec de la neige. Il n'y a rien d'autre. Hein. Non. Bah là, il y a plus 6, plus 10, on aurait 2%. Ça couvre un peu plus parce qu'il y a plus de risques que ce soit à 8 degrés. Je prends le risque. Ah dommage, il fait 9. Il fait 9 et on part en... Bah c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est parti. Là, on peut forcer 3 tours. On va partir premier. Il n'y aura pas de temps devant nous, donc on n'aura pas de temps pour savoir où on se situe. Mais on va essayer d'envoyer du très 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 lourd. Ouais, souvent quand il neige, la température a tendance à se... À se refroidir, j'allais dire, mais non, à se réchauffer en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va utiliser un petit peu de sprint ici. Voilà, faut vraiment être quasiment tout le temps en train de pousser là. Allez, on va se mettre en position touchouse. Ok, ok, c'est bien. Voilà, il va falloir tirer vite. Aujourd'hui, il va falloir tirer vite. Faut prendre les... falloir prendre des risques, tirer vite. Mais en même temps, il va falloir aussi ne pas commettre d'erreur. C'est toujours le juste milieu d'essayer de ne pas se planter. Au ski time, on a vu qu'on était exceptionnel. On a pris du temps à Bakken, donc ça veut dire qu'on est très 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 bon sur le ski time. Maintenant, c'est au niveau du tir. C'est au niveau du tir qu'il va falloir envoyer un petit peu plus. Allez, on s'envoie, on s'envoie. C'est pas mal. Hop là, on relance. On relance, on a pris pas mal d'avance et on va être tout seul sur le pas de tir. On va se calmer là déjà. Voilà, 188 de plus. Allez, il faut envoyer vite, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut que j'envoie vite et que je tire bien, pas d'erreur surtout. C'est ça qui me fait stresser aussi. Ne pas faire d'erreur parce qu'on peut couler en 2 secondes. Ça peut aller très vite de faire 2 erreurs. Ouais, mais tu vois là, on a dû tirer en 7 secondes. On a dû tirer en 7 secondes, c'est pas mal. Mais bon, on pourrait tirer plus vite, c'est reparti. C'est reparti, on ne saura pas de façon avant le passage de Bakken et compagnie. On ne saura pas où on en est. Allez, on accélère. Et il va y avoir cette grande montée. Et on a, ça va, on a 2 secondes de pourcentage, on est bien. Ah, c'est Hartwig ça. Ça, c'est Hartwig ça. Ça, c'est Hartwig, je reconnais le ski. Je reconnais le ski d'un Suisse par millier. Ah, il fait 10 degrés, dommage. Dommage, on aurait pu avoir un boost à 5%. C'est pas grave, faut pas se... Voilà, faut pas s'attarder là-dessus. Quand il neige, il faut qu'on se dise qu'il va faire souvent plus chaud. Et quand il fait froid, il fera souvent plus froid. Ça peut sembler logique, mais non. Mais écoute, c'est comme ça. On repart, on repart. Allez, 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 allez. La petite montée ici. 3 secondes 3 d'avance sur Emilien Claude. Ça veut dire qu'on est bien au niveau du ski. 2,35. 2,35. La vitesse de la lumière. Allez, on y va. J'ai pas vu s'il a tiré Bakken en bas. J'ai pas vu s'il a tiré, je m'en fous. De toute façon, on se concentre sur notre course à nous. Allez, allez, allez. Hop, 187 pulsations. On va se calmer. On va y arriver. C'est le tir debout. C'est le tir debout. Pas d'erreur. Et encore une fois, essayer d'envoyer le plus rapidement possible sur les cibles. Bram qui fait une erreur. Qu'est-ce qu'on aimerait que qu'il fasse 3-4 erreurs. Bakken. Allez, allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Hartwig fait pas d'erreur non plus. Et on le sait, ça peut aller vite parce qu'on a mis du temps quand même à tirer, j'ai l'impression. Donc il faut continuer à pousser. On va regagner de l'endurance ici en passant la barre. Voilà, on est bien. Et Hartwig pas d'erreur. Hein. Hartwig pas d'erreur. Et encore une fois, j'ai pas vu Bakken. Je n'ai pas vu Bakken passer. Ah, faut que je craque un tout petit peu de sprint, pas énorme. Allez, allez, allez. Hop. Le passage, on va se mettre en position touchouse.
Touchous! Ok, on relance. Aïe 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 aïe, Bakken, dis-moi qu'il va faire des erreurs. Dis-moi que Bakken va faire une erreur aujourd'hui. Ah, j'aimerais tellement le voir en direct, l'erreur là ici s'afficher, ce serait exceptionnel. On sait, il est aidé par tout le monde. C'est tout un système qui a été mis en place pour gagner. On vit des heures sombres dans le biathlon, mais quand même, on va y aller. Allez, allez, hop. On s'y met, il y aura cette dernière montée. Et ensuite, il y aura le sprint final. Allez, 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 allez. Kaufmann, pas d'erreur, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Allez. Ouais, c'est ici, c'est ici. Il faut continuer, commencer à claquer. Oui, monsieur! Oui, monsieur, la barre espace va falloir changer après qu'on ait fait le biathlon. Mais c'est pas grave. Allez. Émilien Claude, 6 secondes derrière nous. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas assez. En fait, le temps va se faire face à Hartweg. Si Hartweg est à plus de 5 secondes, ça va. S'il est à moins de 5 secondes, c'est mort. C'est mort, je te le dis, c'est mort que c'est mort. Ça y est, on est tombé, on est tombé. On est tombé sous la map. Attends, mais il y en a qui font 4 erreurs. Bakken ne peut pas faire 4 erreurs. Ce n'est pas possible. Hartweg est à 12 secondes, il a fait une erreur. Niklas Hartweg a fait une erreur. Aïe, 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 pour la poursuite. Pour la poursuite. Allez, allez, Bakken. Allez, régale-nous, là. J'en vois pas mal faire des petits tours, hein, tu vois, là. Ça fait des petits tours, hein. Allez-y, allez-y, on fait les petits tours, les gars. Voilà, un petit tour. C'est Bakken, ça. Voilà, on espère que c'est Bakken. Allez, des tours, des tours. Voilà, c'est bien des tours. Encore des tours. Oui, des tours, c'est pas mal. Encore, là? Oui, monsieur. Allez, on veut... Voilà, encore des gens qui font des tours. Ça s'arrête au pas de tir. Aïe, 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 Émilien Claude, en tout cas, pour l'instant, deuxième. Ah, tu parles, Artois, il va nous mettre une pilule. La Basto. Ah, Bakken! Bakken est deuxième! Bakken est deuxième! Ça veut dire qu'on récupère du temps et qu'on va partir devant lui sur la poursuite. Alors oui, il n'est pas troisième, c'est dommage. Oui, il n'est pas quatrième. Mais il est deuxième, on récupère 15 points. On récupère 15 points sur lui. Ça veut dire que pour l'instant, on est toujours à 60 points. Eh oui, on est toujours à 60 points, mais on pourrait revenir à 45 points si on termine premier de la poursuite et lui deuxième. En tout cas, heureux de ça, heureux de ça. Bon, c'est nickel, c'est nickel. Ouf, 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 ouf. Ok, nickel. Oh là 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 là, la poursuite maintenant. Moins 6, moins 10 avec de la neige. Donc il va faire un peu plus chaud que moins 6, moins 10. Ah bon, on n'a pas le choix, je crois. Je crois qu'on n'a pas le choix. Moins 6, moins 10 avec de la neige. Si, on a le choix. Moins 6, moins 10 avec de la neige. C'est pas mal, les Hamilton à Team 3. Moins 6, moins 10 avec de la neige. Non, mais si, c'est bien. C'est les Hamilton à Team 3 parce que ça va se réchauffer. Donc, on va probablement aller à moins 6, moins 10. On va aller à moins 4. Moins 8. Écoute, on est dans le bon. Ça va aussi, Gisèle. C'est parti! Let's go! La poursuite. 5 tours. 4 passages au tir. Et il va falloir tirer vite et bien si on veut récupérer des points sur Monsieur Bakken. En tout cas, on a pris notre première médaille d'or de la saison. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Allez, on est parti. Là, vraiment, faut y aller à fond. Hein. Ah là, faut y aller à balle. Hein, clairement. Ok. 1 seconde 6 de retard pour Bakken. De toute façon, on sait qu'il va tirer beaucoup plus vite que nous. Donc ça, on n'aura pas trop le choix de le voir revenir. Allez. Il y a la grande montée. Hop là, on reprend. J'essaie d'être vraiment parfait sur mon ski. Je vais me concentrer sur mon ski et rien d'autre. Sur rien d'autre que le ski. Le ski est toujours le ski. Sur le tir, on sait que ça va aller vite. Après, on a un petit peu d'avance sur la troisième place. Est-ce que c'est le jeu de prendre le risque de tirer plus vite? De tirer plus vite, quitte à faire des erreurs. Je pense que là, on va essayer de, pour l'instant, assurer les shoots. Et si on voit qu'on est dans le rythme, on va essayer d'accélérer. Je vais essayer non pas, pas tirer comme un papy non plus. Hein. Mais j'essaie d'assurer les shoots. Et il va faire une erreur à un moment donné, Bakken. Il va faire une erreur à un moment donné, Bakken. C'est obligé. Il peut pas ne pas faire d'erreur, le type. Il va craquer à un moment donné. Allez, le tir couché, le premier de cette poursuite.
Et nous on craque pas. Et lui non plus. Lui non plus. Emilien Claude vient de claquer. De claquer, non, de craquer. Pareil. C'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même une différence. Andersen y arrive. Et 1 seconde 5. 1 seconde 5. Pour l'instant, c'est pas mal. On n'a pas trop perdu de temps. On est bien. On va réenchaîner. Alors, on sait qu'il va revenir. Là, il est en train derrière nous de souffler chaud, Bakken. Allez, allez. Et il est revenu à 1 seconde 4. Ça va. Oh, le partage est parfait. Gisèle! Oui, Gisèle! Après, je pousse hein, quand même pour un... Pour une poursuite, faut le dire, on envoie quand même assez fort. On a l'avantage d'avoir ce petit bonus sur les skis qui peut faire la différence. Mais on est quand même en train d'énormément pousser là. C'est un poil as de sprint le temps que ça récupère la jauge. Pour foncer à tous berzingue. Et on va voir où on en est. 1 seconde 5 toujours. Et on va se mettre en position. La remontée. Allez, 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 allez. Hop là, on reprend. On essaie vraiment d'être au poil, au poil, au poil. 188 de pulse, on va se ralentir ici. Allez! Ah, qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit bien au niveau du shoot, qu'on soit au bon endroit. C'est ça qu'il nous faudrait. Qu'on tombe directement sur la cible de droite et qu'on puisse envoyer des balles à toute berzingue. C'est pas mal. Bakken a fait une erreur. Bakken vient de faire une erreur, mon dieu. C'est exceptionnel. C'est fou. C'est fou. Bakken vient de prendre une pénalité de temps. Il vient de prendre une pénalité de temps. Et il va être loin derrière maintenant. Il va être à combien? Oh, il est à 8 secondes 5. Hop, 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 hop. Ah ça, ah ça. Ah, on l'avait dit. Bon, il est loin devant Hartwig, hein, quand même. Ça sera pas non plus une troisième ou une quatrième place pour lui. Et c'est pas encore fait puisque, eh bien, on n'est pas arrivé premier. Hein. On n'y est pas encore fait. Il reste deux passages au tir. Mais je suis heureux. Je suis heureux parce que ça nous donne un petit matelas. Allez, on a à le gérer ce matelas. On a à le gérer maintenant. On peut tirer comme on sait le faire, je pense. C'est-à-dire pas trop vite, mais sereinement, bien, ne pas faire d'erreur. Et on va continuer comme ça et on peut reprendre. Ça ferait 45 points de retard. Il restera sprint, poursuite et sprint, poursuite. Deux sprints, deux poursuites à faire. Et ça, on ne sait pas. Il peut y avoir une erreur de son côté sur le sprint qui le met très très mal. Parce qu'une erreur sur le sprint, ça te met vraiment très mal. Et ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Allez, 8 secondes 6. Maintenant, c'est à nous d'assurer. Allez! Ah, s'il commettait une erreur là encore, Bakken, ce serait extraordinaire. Voilà, on assure, on assure, on assure. On n'a pas besoin de prendre le risque. On n'a pas besoin de prendre le risque. Bakken vient d'arriver sur le pas de tir. Et pas d'erreur. Pas d'erreur pour Bakken. Allez, Hartwig, il ne faut pas faire d'erreur. Et Andersen non plus. Alors on aura un petit peu moins que 8 secondes 5 d'avance maintenant. Il nous a probablement récupéré 2 secondes facilement. 7 secondes 2. 7 secondes 2, ça va. En vérité, ça va. En vérité, ça va. Allez, allez. Et est-ce que ça a fait des erreurs derrière lui? Oh oui, là, on est vraiment... oui, ça a fait des erreurs puisque j'ai vu des tours de pénalité. Et maintenant, on est seul au monde. Donc, c'est-à-dire qu'au pire, on termine deuxième. Au mieux, on termine premier. Mais j'ai envie de te dire que là, avec 6 secondes 6 d'avance... La deuxième place n'est pas une option. La deuxième place n'est pas une option. Il est friable. Il est friable. On lui a récupéré 30 points aujourd'hui. On lui a récupéré 30 points aujourd'hui. Eh oui. Eh oui, on lui a récupéré 30 points. Allez, allez, allez. Allez, allez. Il y avait combien? 60 points d'avance? Mais combien de points de retard? On avait 210 et là, non, on avait 60 points, il a récupéré 30. Ah mais non, il n'a pas récupéré 30 points puisqu'il a fait une première place. On y a récupéré 15 points. On pourrait lui récupérer 15 points, pardon. Je vais mettre au conditionnel parce qu'il est quand même juste derrière nous. Il y a 6 secondes 3 de retard et on est sur le dernier stand de tir. On y est, c'est maintenant. Beijing, nous voilà. Nous voilà, monsieur. Allez, s'appliquer. Ne pas trembler. Ne pas trembler.
Oui, on va le faire. On aura 6 mètres d'avance. Et Bakken qui ne va pas faire d'erreur. Mais ça va, on repart avec un petit peu d'avance. Allez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on y va. Bakken 5 secondes 3. Il ne pourra pas revenir. Et on va donc récupérer 15 points. 45 points de retard. 45 points de retard. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Déjà, si tu fais premier au sprint, premier à la poursuite, tu récupères 30 points. S'il termine deuxième, voilà, ça peut être... Parce que je crois que demain, c'est quoi? C'est le championnat du monde ou il y a une épreuve encore? Je suis pas sûr. On verra ça. Allez, on y va, on fonce. Le fartage aura été exceptionnel aussi, faut le dire, sur tout ce week-end. Merci Gisèle, merci beaucoup. Et on va s'envoler donc pour la première place, même s'il revient et qu'on est un petit peu plus dans le dur. On assure tranquillement la victoire. Ah, tu vois, il faut quand même se dire que 5 secondes d'avance. Et il a fait une erreur. Donc, voilà. Allez, on y va. On va utiliser le sprint. Le sprint. On va réutiliser la barre bleue et je vais remettre un coup de sprint. C'est fini, c'est une première place. Bien acquise. Ouais, voilà. Oui, la première place. L'erreur. 6 secondes 3. Ski time, on a été devant lui et shooting time. On n'a pas été si horrible en shooting time. On n'a pas été si horrible que ça en shooting time. Non, mais combien? 6 secondes 9. 7 secondes. 7 secondes 5. 7 secondes 1. C'est correct, quand on assure 7 secondes, c'est ok. Mais bon, au final, il faudrait qu'on soit à 6 secondes. Ok, ce sera pour, demain, le Relais Mix Sprint Poursuite du côté de Tumen. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au total score, on est donc maintenant derrière à 45 points, Sievert Bakken. Et on a pris 110 points d'avance sur Niklas Hartwig. À demain, 11h pour la suite de l'aventure.